Allez, bonjour. Bon, ben, vous êtes en direct de Romans. On remercie déjà la pétanque romanaise avec Stéphane Guérin de nous accueillir. Voilà, vous venez voir Stéphane qui va jouer à côté. Il joue avec Stéphane, avec Steven Chaplin. Voilà, donc vous allez vous filmer une partie, une première partie après les poules. Entre l'équipe d'Amandine Tanchon, qui joue avec Jelly et Christian Chave, contre l'équipe Charles, Véronique Charles. Voilà. Allez, pour l'instant, ils sont à l'entraînement. Et je reviens vers vous dès qu'ils ont commencé la partie. Je le fais avec Christian et Nico, tu vois qui c'est Nico? Avec qui je prends mes petits bons promotions? Tiens, tu aurais dû me le dire avant, sinon on aurait pris un peu. Mais j'aime le savoir là que je suis promotion, là on vend ma licence. Tu sais que après en promotion, t'as pas. T'as en promotion, un bon joueur en promotion. Ouais, mais moyen, je pense. Bah, t'as comment il s'appelle Comment il s'appelle? Merde. Bon, c'est moyen, hein. C'est moyen. Les socs, tout ça, ils sont honneurs. Ouais, je pense qu'ils sont honneurs. Ouais, c'est étonnant, mais en fait, j'ai des points. Tous les concours que j'ai partagé ou gagné depuis début novembre, j'en ai trois, ils sont mis sur 2022. Parce que les points à la pétanque, c'est de novembre à novembre. Yeah. Ouais. C'est du mais encore attends, il y a Roiffieux, on le partage en finale, ils nous ont jamais attribué les points. Mais c'est pareil, regarde. T'as vendu 8e aux triplettes. T'as vu les points de Covid, le dernier là? Eh ben, on a vu qu'on a partagé avec nous. Ils sont pas les points. Voilà, bah ça, je ne ils sont pas les points, non, ils sont pas. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ils sont pas, ils n'en vont pas la fédé. Après, au comité. T'es en direct? Oui. Ah, merde, on est sale. Ah, mais bien, j'allais voir si mon téléphone, c'est le monde qui arrive. Là, tu vois, bon, bah, ça, on n'a pas eu. Ouais, ça n'a pas été marqué, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, quoi. Attends, je cherchais. Moi, je suis promotion parce que ça fait pendant 2 ans que je n'ai pas joué à Pétanque, maintenant. Côté, vous allez la partie de Stéphane qui joue avec Coach Delia et Steven Chaplin. Bah, je vais essayer de vous faire suivre un peu les deux parties. Donc les joueurs sont toujours à l'entraînement. Allez, c'est parti. Donc c'est l'équipe de Christian Chave avec Jelly et Amandine Tachon qui attaque. Allez, c'est parti. Donc, pour rappel, l'équipe de Christian Chave, ils sont de Liban. Il y a Stéphane qui va là. Regardez-le. Stéphane. Je rappelle comment ça marche, je suis pas grand-mère à ce moment-là. Non, mais laisse-moi, après, j'ai plus l'espoir. Et après, tu vas plus où pour là? Non, là. Ouais, pour revenir ensuite. Ouais. T'as plus où pour agrandir? Voilà, on peut faire. Il y en a combien?
Ah, mais vous voyez pas? Si, mais je l'ai là. 57. Excusez-moi, je vais me décaler un petit peu. Voilà, on va peut-être mieux là. C'est bon. Et là, si tu veux, c'est pour tout le monde de zoomer. Si ça tient bien, ça. Serre-le un peu pour que ça tombe. Joanne. Ah oui, Joanne. Voilà, tu peux zoomer un peu. Voilà, c'est un peu trop là. Tu sais plus comment ça va? Ça c'est pas bon. C'est Véronique qui s'appelle là. Véronique Charles. L'équipe de Véronique, il ne peut pas trop étirer parce qu'avec le carreau, ils ont deux points par terre, l'équipe de Livron. Après le carreau de Johan, ah, ils vont quand même tirer. Aïe, aïe. La main ne s'annonce pas très bien. Première main, tout à l'avantage de l'équipe de Livron. Donc à côté, vous avez Yuzu. Il est en macaro dans la région. Tout à fait, là. Et qui joue avec la sœur de notre Ludo. Ah, je vois, mais ils sont partis les deux autres. Il y a deux fois, je m'en ai mais on m'a dit qu'ils vont s'en prendre, mais sans tout ça. Et à côté, vous voyez, vous avez l'équipe de Stéphane Garrex, Steven Chaplin. Steven Chaplin. Il va au tir à côté. Ah non, je joue pas, j'ai rien eu. Ah non, c'est fort avec la caméra. C'est fini, mais je vous rappelle qu'après toutes les vidéos qu'on fait, vous pourrez visionner à partir de demain sur notre chaîne YouTube du groupe Pétanque. Et puis n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Ah, première main qui peut être chère hein, pour l'équipe de Véronique. Il reste 4 boules dans l'équipe de Livron. Il y a Johan qui va étirer celle de droite. Aïe, 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 il a chiqué et puis il a sorti, je crois qu'il en donne le point. Il va falloir qu'Amandine aille peut-être tirer. Je vous rappelle Johan Gelli, vous avez sûrement vu si vous avez regardé un peu sur l'équipe 21 le trophée des villes. Il était dans l'équipe de Valence avec Bruno Le Boursico, Julien Lamour et Damien Huro. C'était le jeune de moins de 22 ans. Très bon jeune de l'équipe de Valence, très bon jeune du département de Valence. Amandine qui a tapé, qui était un peu au milieu des deux, mais bon, à la sortie, ils ont pris le bout de façon en face, donc c'est bien. Amandine, je vous rappelle qu'avec sa sœur Émilie, qui ont été plusieurs fois sur la Drôme, chez les féminines en doublette. Derrière. Ouais, mais est-ce qu'il a une licence? Ce sera pas.
Combien il y en avait là? Donc un point pour l'équipe de Yvon. 1-0 pour l'équipe de Amandine Tarchon. Donc on attaque la deuxième haine, 1-0. Et attends, il y a aussi... Non, elles sont là encore. Il y a Corinne, il y a Véro, il y a Dani. C'est bien là-dedans. Donc Christian Chave, qui a mis une belle boule à 5 ans devant. Des jeux très compliqués. C'est vraiment une très belle boule. Très bien pointé de la part de Christian qui remet la même boule comme sa première, une belle boule 40 devant. Très bien tiré encore pour le partenaire de tireur de l'équipe de Véronique. Excusez-moi, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas son prénom. Amandine, donc il va pointer. Très bien pointé de la part d'Amandine. Il met une boule à 20 sur le côté. Allez, pas bon. Une belle main encore pour l'équipe de Lyon. Il reste plus qu'une boule pour Véronique, une boule pour son milieu. Ah, Véronique met une belle boule sur le côté. Une boule qui peut gêner pour la main, pour la suite de la main. Donc il reste 3 boules dans l'équipe de Yvron, une boule pour Amandine et 2 boules pour Johan. Johan qui va les tirer, je crois, dessus celle qui est à droite pour vous. Ah, très bien tiré encore de la part de Johan. Ah, Johan, je vous dis, c'est un jeune de la Drôme là, qui est très très fort. Licencié au club de Livron. Ah,
j'ai vendu pour plus de 100 euros de bouchons quand même. L'Algérie, le Cambodge et tout. Oui. Il a plus de temps, comment il a fait la comptabilité? Donc déjà 2 points pour l'équipe de Livron par terre. Johan qui va essayer d'en mettre un troisième. C'est pas vrai de passer. De faire comme dans une frontière. En même temps, c'est le même temps que me voir. 3 points. Donc 4-0 pour l'équipe de Johan Gély, Amandine Tarchon, excusez-moi, Émilie, c'est sa sœur, Amandine Tarchon et Christian Chabot. Véronique, il y en a 3 là. Donc 4-0 pour l'équipe de Livron. À la côté, vous avez Stéphane Garin, qui part au tir, je vous fais voir. Regardez notre Steph, il est là, je vous fais voir un petit peu. Pour Stéphane. Allez, je reviens sur notre partie. Ils n'ont pas joué. Excusez-moi, je vais me décaler un petit peu. Parce que je pense que vous ne voyez pas grand-chose là. Donc, je vais décaler la caméra. Voilà, vous verrez mieux là, je pense. Non, voilà. Allez, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc, Véronique va pointer. Perdu le point. Et Sierre qui a mis une boule à 30 sur le côté. Une belle boule. Sur des jeunes très difficiles. Je vous rappelle, vous êtes en direct de la pétanque du site de la pétanque romanaise à Romans. Donc, c'est le concours organisé par le groupe Pétanque, triple mixte. On a fait bien content, on a fait 40 équipes. Alors, ce matin, c'était par poule, et là, vous avez la première partie après les poules. C'est tapé à sa deuxième, excusez-moi. Christian qui repart au point. Bien poté pour Christian qui a regagné le point. Très belle boule encore, ouais, on va dire 30 devant. Thank you.
qui va faire du bien. Pour l'équipe de Véronique, un carreau qui fait du bien. Ce qui est mal parti encore dans la main. Ah, c'est le premier trou de Johan. Donc Amandine qui vient de regagner un point qui était vraiment pas facile à gagner. Hein. Elle prend la main sur le côté, elle a regagné. Et je vous rappelle, on est dans des jeux très sélectifs. Hein. Au point, ils sont vraiment très très durs. Et c'est retapé au milieu de l'équipe de Véronique. Il reste une boule à Johan. Et je crois qu'il doit rester... Il va une boule à Véronique en face. Mmh. 4-0 pour. L'équipe de Amandine Danchon au moment 4-0 pour l'équipe Danchon. Non, non, gagné, si elle passe, ils n'ont pas grand chose derrière là-bas. Il n'a pas regagné, mais bon, il a mis une belle boule. Ça va être dur de rajouter un deuxième point pour l'équipe de Véronique. Et combien, Steph, là? 11 ans. Et dans la partie d'à côté, donc l'équipe de Stéphane avec Stéphane Chaplan, sont 11 à 2. Ils mènent 11 à 2. 11 à 2 pour l'équipe de Stéphane Garin avec Stéphane Chaplan. Donc un point pour l'équipe de Véro, ça fait 4 à 1. Thank you.
bien pointé pour Christian. Il met une boule à 32 ans. Ben, ça fait qu'un peu depuis maintenant. Et sur... Et là, ça ne bouge pas, ça. Non, mais pas de boule. T'as fait quoi ton téléphone? Oh putain, toi t'as pas peur. Très beau tir. Je crois qu'il a depuis le début de la partie, il a fait un trou, Johan, c'est tout. La main d'avant, c'est tout ce qu'il a fait. Johan qui a fait le trophée des villes samedi, je ne sais pas si vous avez vu le trophée des villes, il a fait avec. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu le trophée des villes avec, sur l'équipe 21. Il jouait avec Bruno Loborsico, Julien Lamour et Damien Hureau. C'était le jeune de moins de 22 ans. Ouais. Mais c'est pas la caravane de Boussico qui est dehors hein. Ah je sais pas, non, mais voilà, j'ai pas le dos. J'ai vu une caravane, ah. Je pensais à sa caravane. Hein. Enfin, je pensais avoir dans le concours ce matin. Moi qu'il a laissé là, il est parti. Peut-être, je sais pas, je l'ai pas vu, ce matin il était pas là. Donc l'équipe de Léonet qui a plus de boules. Il reste 4 boules dans les mains de l'équipe de Livron. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et à côté, la première partie à l'épaule, victoire de Stéphane Garin et équipé avec Steven Chaplan. Première partie à l'épaule, victoire de Stéphane Garin. La boucle qui est juste derrière, qui a chiqué Johan. Parce qu'ils ont toujours le point, mais s'ils veulent en faire plusieurs, je pense qu'il va falloir taper cette boule. Ouais. La boule qui est juste derrière. Donc Émilie qui va tirer. Ouh, juste pas droite. Elle est juste pas droite. Si elle est droite, je pense que.
Ah mais non, j'avais pas vu, ils ont peut-être même pas le point, parce que le but en fin de compte est juste devant. Donc il tient peut-être pour le point. Je pensais qu'il y avait... Et bien le point est pour l'équipe de Véronique, donc Émilie qui est obligée d'aller tirer encore. Je sais pas si vous voyez le but, il est juste au milieu entre les deux boules. Hein. Donc Émilie qui va être obligée d'aller tirer pour le point. Le point est l'équipe de Véronique pour l'instant. Ah, bien tiré, bien tiré parce qu'elle n'était pas facile à taper. Bien tiré pour la part de Émilie. Je rappelle Émilie qui a été plusieurs fois au championnat de Rome avec sa sœur. Hein? Elle a été plusieurs fois au championnat de Rome avec sa sœur. Elle est franchement. Elle est de. Tu connais pas les dessous? J'ai vu, tu sais, à Décoville, il y a 3-4 ans, il y avait c'est une fille de la bombe qui avait gagné, de l'Ivonne qui avait gagné. Oui, moi, je l'ai fait, elles sont dessus, elles sont dessus. C'est quand même un peu plus fort. En principe, elles sont toujours, elles sont dans tous les coups. Avec sa sœur, elles sont toujours. Hein. Les deux sœurs jumelles, elles ont gagné tout dans Londres. Enfin, ils ont eu ce point chacun dans Londres, toutes les deux. Ah ouais. C'est Émilie et sa sœur, c'est Émilie, sa sœur, c'est... Ah, je sais plus, mais elles sont... Ils ont été moins déjà 5-6 fois chacun dans Londres. Non, du coup, j'ai pas fait attention. Johan, yo, combien il y a nous là? Donc, un point pour l'équipe de Livron. Donc, on passe 5 à 1. Et on attaque à 5e main. Un peu sa première qui était restée 1m50 devant et là il vient de regagner 20-30 devant. Il est attiré, le bout est sorti, il vient à refaire. Vous n'avez pas joué ? 19. Donc on reste à 5-1 pour l'équipe de Émilie. Et l'équipe d'Émilie Tanchon.
je les vois, des Christian. Christian qui joue beaucoup avec des jeunes de Livron. Et vraiment, mais bon, Christian, c'est un très très bon pointeur, toujours très appliqué. Très très bon joueur, très très bon pointeur. Vraiment, devant, il fait son jeu. Comme on dit dans le jargon de la pétanque, il met la table là. Bien tiré pour le tireur de Véro. Je m'excuse, je ne sais pas comment il s'appelle, son prénom. Excuse, mais tout le monde est devant. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Avec Christian qui vient de regagner encore. Vraiment très très régulier. Mettre un moment au point Christian. De belles frappes, de belles frappes. Allez, ben c'est Emily qui va pointer. Part du milieu de Véronique. Je m'excuse, hein, je ne connais pas les prénoms des deux joueurs, des deux coéquipiers de Véronique. Salut Florian, je viens de voir ton message. Je vais demander, tu parles de qui? Du jeune de Livron qui tire de tête? Si, Fab, je suis en train de regarder tes commentaires à côté, donc je les vois. Hein. Ouais, salut Florian, là, tu es encore devant là. Tu peux me dire si c'est le jeune de Livron, là, le jeune qui tire là? Si c'est avec Johan? Et là, regardez, vous avez Jennifer qui voulait passer. Ah, trop tard, salut. Ben, désolé. Si elle va passer, regardez, je vous fais voir Jennifer. Elle est là, du coup. Tac.
Léoné qui a tiré, donc elle a fait. Donc. Combien il y en a eu, Olivier ? Premier point ? Il avait une boule jointe, il a okay. Donc deux points pour l'équipe de Lyon. On passe à 7 à 1. Et on attaque la sixième mène. T'es passé à la caméra. T'y es passé. T'y es passé, t'y es passé. Ah, bien poté encore, hein, pour Christian. Il est quoi, il est à 3, quoi, 30 derrière, mais belle boule là-dedans, je vous dis, c'est un très très compliqué. Bien poté pour Véronique, qui a gagné le point. Bien, bien pointé. Je pense que Johan va aller tirer. Bien tiré. Ah, Johan, c'est monsieur pas 100%, mais pas loin. Hein, il a fait, on en est à la 5e, 6e, je crois. Il a fait un trou pour l'instant. Doublon, il a bien tiré. Véronique qui repart au point. Là, celle-là, elle a moins bien joué. Elle est passée. Elle est passée. Donc, je vous rappelle 7 à 1 pour l'équipe de Lyon. Donc, 7 à 1 pour l'équipe de Lyon. Je vous rappelle, on est donc à Romans. Un tripette mix organisé par le groupe Pétanque. Qui... Bien pointé. Du coup, je ne sais pas si l'équipe de Lyon aussi vont quand même se lancer au tir parce qu'il a presque fait un devant de boule. Mais Johan va quand même aller tirer. Après, ils ont eu son devant de boule, hein, donc c'est le jeu. Hein. Ah, il est un poil haut. Il est un poil haut. Je pense qu'il a voulu la prendre bien haute pour essayer de la faire passer et du coup, il est trop haut. Christian, du coup, ils n'ont pas bien le choix. Hein. Christian qui va pointer. Pointé, hein. Je crois qu'il a regagné le point, Christian. Ah non, peut-être pas. Non, il n'a pas regagné, mais vraiment, pour permettre à Emilie d'aller tirer. Il reste, il reste 3 boules dans l'équipe de Véro, donc 2 boules pour l'équipe de Livron. Ah, c'est peut-être dangereux d'aller tirer. Je pense qu'Emilie va pointer.
Ouais. Elle va pointer. Et à côté, là, je vais vous faire voir, vous avez la sœur de notre président. Eh oui. Mademoiselle Lucignol. Avec vous là-bas, et puis vous avez Dams. Voilà. Une équipe qui vient de l'Isère. Donc, complètement à gauche, la féminine, c'est la sœur de Ludo. Le Ludo de notre président. Allez, je reviens à notre partie, excusez-moi. Il fallait gagner celui-là, franchement, très très bien joué. Allez, pas plusieurs fois champion d'Alabama avec sa soeur pour rien. Ah, j'ai pas pu, j'aurais dû me le dire. Donc pour l'instant, il y a un point pour l'équipe de Véro par terre, ça va être dur d'en rajouter un, hein, parce que franchement avec la boule de vent, ça va être très compliqué d'en rajouter un. Pour l'équipe de Véro, donc on passe à 7-2 et on attaque la 7ème main. Après bientôt 50 minutes de jeu, 7ème main 7-2. Ça fait ça, c'est ça? T'es pas, yo, tu t'es pas trompé de boule toi il y a 15 jours, tu n'as pas eu un échange de boule. Parce qu'il y en a sur la caméra qui lui demande à un des jeunes s'il n'y a pas eu un échange de boules avec moi il y a 15 jours. Justement. Comment ça?
bien voté sa deuxième question. Comment il s'appelle Louis, c'est Christophe. Et l'autre tira Donc, pour l'équipe de Véronique, il y a Guy qui va tirer. Et c'est tapé. Elle n'a peut-être pas passé, mais il a fait de la place. Porté pour Véronique qui regagne le roi. C'est l'échappe, je l'ai viré, qui fait l'encourage. Après, on le branchera un peu, parce que sinon, on va fatiguer. Damien, c'est ça, parce qu'il s'est fait beaucoup. Ah ouais. Ah, le coup qu'il a fait là-bas. Oh Lido, Adam, demande-lui où aller sa femme là-bas, Adam. C'est ordinaire, t'as vu le coup qu'il vient de faire? Oh, Adam, Damien! Adam! Elle est où ta femme? Ah merde! Ah, bien tiré pour Christophe. Très belle frappe. Bien tiré, bien tiré. Bien tiré pour Christophe. Belle frappe, il fallait frapper là. Donc je vous rappelle le score, on est 7 à 2 pour l'équipe de Lulu contre l'équipe de Véronique. Thank you.
C'est bien, c'est bien. C'est pas moi qui ai perdu 120 tout à l'heure. Il y en a, ils sont au revoir. C'est à voir ou pas? Non, je sais même pas l'heure. Ah, il a écrit sur peur qu'il va essayer d'en rajouter un. Je vous rappelle le score, on est 7-2. 7-2, 7ème main. Déjà 7-3 par terre. Ah, il va en manquer. Allez, 7-3. Et on va attaquer la 8ème main. Qui reste un peu court, on va mettre devant, mais bon, elle est en plein jeu, ça boule. Allez, ici on. Sept mois, non? Ça fait pas un an, hein? Ouais, peut-être, ouais. Ça marche 7-2. C'est toi qui vas trop vite, Seth. C'est toi qui vas trop vite. C'est toi qui vas trop vite. Qui a pointé sa deuxième. Et c'est gagné. Allez, pour l'équipe de Véro, Guy qui part au tir. Ouais. Tiens, t'inquiète. C'est frappé pour Guy. C'est
c'est frappé. J'ai joué sur la gauche parce qu'il y a Véronique qui a mis deux boules devant. Elles sont à mettre devant, mais elles sont bien placées devant. Bien placées. Je vais vous faire voir, je laisse pointer Émilie, puis après je vais vous faire voir nos administrateurs du groupe Pétanque, parce que derrière moi ils racontent des conneries. Je vais vous les faire voir après. Je vais décaler la caméra juste après. Vous allez voir comme ils sont tranquilles. Bon, ben, Émilie qui a perdu le point. Et puis maintenant, je voulais faire voir, regardez, nos administrateurs du groupe Pétanque, regardez-les comme ils sont tranquilles là-bas. Vous avez notre ami Hervé, il est là. Notre ami le président, Ludo, là-bas, bien tranquille, tous les deux. Ah ouais, mais comme je vous dis, il y en a qu'un qui bosse, c'est moi. Regarde. Et puis il boit de l'eau, hein. C'est marqué Ricard, mais il boit de l'eau là-bas, je vous le garantis. Hein. Voilà, voilà. Et oui, et moi je retourne au taf. Et pendant qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui prennent plaisir à assis sur les chaises. Allez, on revient à notre partie. Gagné pour Christopher. Johan qui part au tir. Côté et après la première partie après les poules, victoire de Lou qui joue avec Gwen, la sœur de notre président de Ludo, elle est là, et Dams qui vient de l'Isère, voilà, avec un joueur de Valence, et voilà, donc ils sont qualifiés pour la deuxième après les poules. Ouais, le petit bisou en direct au Dams. Oh, j'étais filmé, j'ai eu le bisou. Ah mais le bisou, je l'ai eu là. Tu as filmé, tu regardes là. Non mais non, c'est le bisou que j'ai filmé. Le... Non. Oh, dance. C'est pas le terrain, c'est le bisou que j'ai filmé. Non, j'ai filmé au moment du bisou. Ah, c'est tout. Tu regarderas devant la vidéo. Tu joues contre Benoît ? Mon frère, il t'appelle. Tu joues contre celui qui a les lunettes, là, au bord. Hein, dames ? Tu joues contre celui qui a le truc, là. Ah, le truc, là. Là, de Benoît. Avec les lunettes. Oui, déjà. Tranquille. Tu vas jouer contre Damien après. Tu vas bien ? Là, on verra. Tu joues ce matin ? Tu joues contre Damien après, là. Ah, mais déjà ? Ouais. La sœur de Ludo, tu joues. Tu vas pas, Benoît.
partagé hier, il va pas partager aujourd'hui. C'est frappé pour Johan. Salut Henri Chou. Henri Choubidou. Salut Rissou, Rissou qui est là, notre commentateur habituel. Pour l'équipe de Lyon. Donc on est 8-3. 8-3, on attaque la 9e maintenant. 8-3. Les chauffeurs, t'as pas fait un échange de boules dernièrement? Non, mais il y a quelques temps, il y a 15 jours ici. Non. Ok, non, parce que j'en ai un qui me demande à un des joueurs s'il a pas fait un échange de boules il y a 15 jours. Non. Ok, ça marche. Alors je vous rappelle le score, on est 8-3 et on attaque la 9e main. Salut Damien. Christian qui a mis une boule à mettre derrière. Là, on est à 6 mètres. Hein. Véronique qui a voulu jouer soulevé à 6 mètres, qui a voulu jouer debout. Voilà, elle a bien corrigé. Bien corrigé. Là, c'est accroupi à sa deuxième. Qui va tirer. Il va tirer pour Yann, un petit recul. Bien frappé. Pour l'équipe de Livron contre 2 contre 3 boules aussi en face. Donc Emilie qui partirait. Et pareil, franchi aussi pour Emilie. Identique. Franchi aussi pour Emilie. Une mène en faveur de l'équipe de Véronique. Non, pas couvert.
8 à 3. 8 à 3. Quoi ? Donc, je pense qu'il va tirer la boule devant pour faire un peu de la place. Laisser à 6 mètres, si la table est pas la même. C'est poussé. Là où le jeu. Ils ont debout, s'ils en font 2, 3 dans la main. C'est bien. Et Sofer qui va essayer d'en rajouter un. Pour faire rentrer le deuxième. Et là, nous avons Hervé derrière moi. Voilà, comme d'hab. Et il a manqué, Poupine s'est manqué. Donc, un point pour l'équipe de Véro. Et on passe à 8 à 4. Et on attaque la dixième main. 10 à 4. Allez, donc voilà, excusez-moi, j'ai fait une petite pause. Je reviens vers vous. Donc, on est, je vous rappelle le score, on est 8 à 4 pour l'équipe de d'Amandine Tanchon contre l'équipe de Véro. Et là, vous avez dit qui tire et c'est frappé. Et on est 8 à 4, on attaque à 10e mètre, je crois. Voilà, on va voir.
Ah, il est venu cet après-midi seulement. Dès que c'est fini là, je vous filme après. Hein? Dès que c'est fini, je vous filme. Yes. Je te laisse par là, le stack? Ouais, vas-y. Gaffe, tu t'as déconné. C'est frappé. Oh, deux carreaux, bon. C'est un carreau gagné en plus. Ouais, mais pas filmé. J'ai filmé le bisou, moi. C'est déjà pas mal. C'est frappé. Pour Johan. J'espère que ça va être fini, après je filme là après. Pour Johan. Alors, je vous rappelle le score, on est 8 à 4 pour l'équipe de d'Emilie. D'Emilie Tanchon, avec l'équipe de Véronique, Christopher et Guy. 8 à 4. Christopher qui a gagné le point, il reste une boule à Emily pour tirer pour la barre. Voilà, juste franchi pour lui. Ah, ici, je l'avais tapé. Juste franchi. Donc, un point, bah, tout doucement, l'équipe de Véronique et Crédignotte, 8 à 5, et on attaque la 11e main. Après, bientôt, 80 minutes de jeu. Partie qui dure. Parce que c'est moi, voilà.
je vous rappelle que c'est en direct du boulodrome de Romans, la pétanque romanesque qui nous accueille pour le concours organisé par le groupe Pétanque avec la collaboration de la pétanque romanesque dans ce formidable boulodrome. Club de la pétanque romanesque présidé par notre ami Philippe Poleux et de notre administrateur Stéphane Garin. Pétanque romanaise, un des, ouais, même le plus gros club de la Drôme, hein, avec la présence des champions du monde Bruno Loborsico, Damien Huro et Julien Lamour. Voilà, encore une belle saison qui s'annonce pour la pétanque romanaise. Lui qui a tiré, qui a tapé, qui est derrière. Derrière. Ah, une main qui s'annonce compliquée pour l'équipe de Véronique. Hein. Alors, j'ai déjà joué 3 boules. 3 boules sur une de l'équipe de Livron. Ben, la dernière pour l'équipe de Véronique, la dernière boule qui arrive, ils ont tout joué sur la première de l'équipe de Livron, l'équipe de la boule de Christian. Et je vous rappelle que l'équipe de Christian, Émilie et Johan, ils ont 8, peut-être une main de gueule. On va aller jouer, mais il dépend où on va aller, ça va. Ah, il y a de la place, hein. Il y a de la place, ils ont 5 en main, ils en ont 4 à ajouter. Ça va pas être une main de gagne. Ça fait 10 par terre, il en reste 4 boules en main. Ah, c'est possible. Peut-être un petit peu à ça là. Il en manque peut-être un petit peu. Et après, elle peut jouer, il peut jouer dessus. Thank you.
Je crois qu'il y a 3 points par terre. 3 points par terre et... S'il y a 3 points par terre, j'ai encore 2 points. Deux boules à Johan, après que je serai déliqué devant. Il peut très bien jouer sur celle qui est éliminée devant, il n'en prend pas grand-chose. Hein. Il a fait tirer l'autre là-bas, c'est pas un risque. Ouais, c'est ça, il va pointer Johan. Ça fait 12 et il en manque un. Allez. Est-ce qu'il a dit quoi? Il a dit quoi après? J'ai pas entendu la suite. Il a dit quoi? Parce que... Donc 12 par terre. Christophe, on a fait un bon petit apéro. C'était enfermé là-bas derrière. Ah ben non. Eh ben je crois qu'il doit y en avoir 3 ou 4. Tu vas faire ressembler avec le boulin. Moi j'ai la cahierie de boulin. Nous on n'en a pas eu le temps de manger, quoi, c'est avec. Combien il y en avait, Christian là? 4, donc ça fait 12. Allez, on est 12 à 5 et on attaque la 12e maintenant. Allez, 12e maintenant. Allez, deuxième main. Après, je vous rappelle, je vous filmerai une partie de une deuxième partie après les poules. Juste à côté, Benoît Imbert joue avec Marvin. Ah bon? Et contre. Voilà. Et là, je vous fais voir la sœur de notre président. Qui je pensais qu'elle allait nous faire un coucou, mais même pas. Bon. Elle m'a pas vu. Christian qui continue. 12 à 5. Christian qui continue à mettre la table devant. Allez, Véronique qui va essayer de regagner. Tu as rendu bien, tu as rendu bien. Enfin, on est bien sur lui. Bon. Elle a reperdu, je crois. Ils ont fini tout ce matin. Ce matin, ils ont presque fini les poules ce matin. On va réussir à finir les poules à 1h. Ouais. Ouais, bah c'est le frère de la sœur de Ludo et son beau. Il joue avec eux. Nick a tiré, franchi la boule, juste derrière. C'est Steph qui joue avec Steven, c'est un plan. Ouais. C'est Zazou. Zazou. Ouais, qui c'est qui joue hier avec Quentin? C'est le bout, j'ai pas regardé. Comme après, il a moins, tiré, moins bien tiré qu'il se fait. Hein. C'est contre la cachée partie, il jouait les parties de cartes contre Diaya, tu sais, de Romain. Et ils ont failli passer à travers. Il a moins bien tiré. Il a moins bien tiré.
Je me souhaite un grand. Avec Christopher qui tire le but. Je crois que là c'est mal embarqué pour l'équipe de Véronique. Ouais, ils ont perdu contre des signes. Il m'a dit, Marvin m'a dit que ça ne s'est pas joué à grand chose, hein, parce qu'ils ont pas mal, perdu pas mal tête à tête, doublette à 8-9. Ou pas avec Loire, enfin, ça a été, il a tout été démonstré. Il aura tout fait. Ça, c'est la première après les poules, et ça, c'est une partie de cadrage. Non, c'est cadrage, là. C'est la, je crois que c'est cadrage. Bah, ben voilà. Victoire de l'équipe de Livron, de l'équipe de Christian, Chab et Émilie Tanchon et Johan. Voilà. Merci bien. Merci. Allez, je vous fais voir maintenant la partie. On va enchaîner sur la partie à côté. Terrain numéro 1. C'est une partie de cadrage, je crois. Je vais déplacer la caméra. Tac. Non. Non, ils sont mal. Ils sont, je crois qu'ils sont en Suisse maintenant. Je crois qu'ils sont, ils ont pris leur expérience à Suisse avec. Ouais. Je crois qu'ils sont tous partis là-bas. Il me semble, hein. Faudrait demander à Ludo, mais je crois qu'ils sont partis là-bas. Faudrait demander c'est quoi. Ouais, donc c'est ça, c'est une partie de cadrage. Et qui nous rejoint au commentaire, notre Richard Fraisse National. Vous avez filmé, commenté la, notre finale aura du groupe Pétan, finale orage des jeunes. Voilà, je vais lui laisser un peu la place. On va changer le but après, la prochaine semaine, on changera le but parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, non, on n'a pas compris pourquoi avec. Alors déjà comment je change ça là. Ouais, c'est mieux. Combien il y a, Yo? Combien il y a? 5 cadeaux pour vous? 5 dollars. Allez, donc je vais dire, on prend une partie de, sur une partie de cadrage. Voilà. Allez, je vais me déplacer un petit peu.
Donc là, nous avons Benoît. Je vous rappelle Benoît qui a été champion de la Drôme Provençale cette année, en 2021. Opposé à l'équipe un peu mélangée de l'Isère et de la Drôme. De You, Gwenaël, Gwen et Lads. Gwen qui est la sœur de notre président, la sœur de Ludo. Et là, vous avez Marvin qui va tirer. Non, qui va pointer, excusez-moi. Marvin qui est passé. Et comment est-ce qu'on... 5 à 2 pour... Je joue avec qui t'es, Je joue avec ma famille... Il a rien. Non. Chez nous, il en fait quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Ah oui, tout à fait. On était 9 à 11 et j'ai les deux derniers lits, je n'ai pas joué. Allez, bon, Léon! Et avec son client, elle a une autre. Et puis moi, j'ai compté les deux, mais ils ont réussi à rattraper. Tiré pour lui, et en plus qui est meilleur en même temps sans point. Bon, ça va être mieux d'en rajouter qu'elle. Là. Il y a une belle boule devant. S'il n'y arrive pas à faire d'eau, c'est pas bien. Allez, Guillaume, tu vas essayer de la rajouter. Il y aura 4 boules en main. Il va manquer. Allez, je vous l'ai dit, c'est compliqué de rajouter. Après, ils font pas des espèces ? Ils font pas des espèces ? Ah ouais. Ouais, ils veulent regarder s'ils peuvent tirer pour deux, mais je pense pas. On veut voir ça, hein? Salut Mathieu. T'as pas envie de Non, Florian, je lui ai demandé tout à l'heure, donc c'est pas, il n'a pas fait d'échange au boulot. Désolé Florian.
Ah, c'était compliqué là en tout cas. Donc un point, on passe à 6 à 2, on va attaquer la quatrième maintenant. 6 à 2 c'est ça ? 6 à 2. Donc Gwen qui a bien pointé, il boule 30 sur le côté. Donc Benoît qui part. Ouais, il y a l'autre sur le Richard qui commente avec moi. Il est allé chercher à boire, c'est quoi. Il va revenir. On a perdu. Ouais, ma femme n'a pas bien pointé. Deux dernières boules, c'est tout. Ouais. C'est ça, manqué. Moi j'ai refait, on a plus de boules. Il y aura 6. 4 boules en main. Donc deux trous pour Benoît. Mal, la même qui débute mal. Il y a 6 à 2. Hein? 6 à 2 pour l'équipe de You. C'est pour comment passe Richard. Viens, tisse-toi. Je vais aller voir le score. Dès qu'il revient, ah bon. Et... ouais, il arrive ou pas? Il arrive, il est là. Il n'a pas mon maillot. Attendez, il est plus dans l'appareil à boisson là-bas. C'est quoi? Ah, super, bonne reprise là. Je sais pas, j'ai juste d'arriver moi, donc je reprends. Je reprends derrière tiré là. Mais...
machine. Point pour l'équipe de Benoît. 6 à 5, c'est ça, Benoît, 5 à 6. Et en attaque, 5 à 6. 5 à 6. Après, si tu n'es pas d'accord, je vais un peu dans le coup, parce que moi j'arrive encore de partir là. Allez, sur le son de cadre. C'est le commence pour 6-3, je crois. Non, mais 6 à 5. 6 à 5 pour l'équipe de Ganador. L'équipe de Mallory, Benoît et Marvin. Bien pointé. Marvin avec son équipe là de la Marquise, ils ont perdu hier contre Dessine en Coupe de France au 8ème tour contre l'équipe de Michel Loire. Pas droit. Sauté. Meilleur que son frère. Hein. Pas de photo. Il n'y a pas photo. Au moins une finale qui est au bout. Il n'y a pas photo avec son frère. Allez, Benoît qui part au tir. Il est juste pas droit. Hein. Il est droit de là. Ah oui, il y a loin là. C'est un joueur très intéressant. J'ai la chance de jouer avec lui, c'est Romain. Et... C'est bon tireur. Il n'est pas le même, il ne connaît pas. C'est très sympa.
Encore une main, ça n'en fait pas pour eux. Alors ? Ah oui, le maillot. Si, attends, je vais aller chercher. Elle est ouverte ? Tu te laisses. Je vais te commenter après, ah, tiens, j'arrive juste à faire la sieste. T'inquiète, que des piles. La machine. À point de gain, ça fait deux mains qu'elle vous met des poisons. De plus, ça fait donc 7 à 5 pour l'équipe Ayou. Vous avez joué en quart ou en demi ? Vous trouvez, voilà. La bête, hein ? Tu me dis. Fini la main de partie de cadrage et après on va attaquer sur la partie d'à côté là qui va bientôt commencer sur l'échauffement. C'est une partie de quart de finale. Donc on finit la main ici et après on passe à côté. Et ça va.
c'est bon. Nous souhaitons une bonne année sportive pour l'année à venir. Bien sûr, ne pas oublier que nous avons dit avec vous. Nous avons des bisous de toute la suite. Nous avons des bisous de toute la suite. Nous avons des bisous de toute la suite. Alors, c'est génial. J'ai mis là. Allez, donc je vais couper cela un peu la vidéo et on va partir sur le premier quart final.